Ouais, salut les mecs, j'espère que vous allez bien, toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je suis pas revenu, là ça y est, je reviens, plus fort que jamais, accompagné d'un coca bien frais chacal, tu connais, dédicace à coca. Bon, là, on est où? On est à Vincennes. Précisément, à Montreuil. Pour ceux qui vont commencer le comptoir et tout ça, ouais. Je vais chercher mon nouveau vélo au comptoir. Parce que le BMI est venu, je ne pouvais pas, parce que genre je travaille et je peux pas le recevoir chez moi comme ça. Il n'y a personne. Et Cobike, il y en avait plus. Et j'ai cherché, il n'y avait pas au comptoir qu'ils en recevaient, du coup, je l'ai pas au comptoir. Donc, évitez-moi les insultes et tout ça et tout ça. De toute façon, on s'en fout, c'est qu'un vélo. En soi, voilà. Après, je commanderai mon custom, je le prendrai après. Mais il y a du lourd carré des mecs. Ah, je suis grave content. Je ne dirai pas tout de suite ce que c'est. En tout cas, c'est un vélo. Je peux pas dire, en fait, si je dis la taille des pneus, des roues et tout, vous allez comprendre. C'est-à-dire c'est un vélo, c'est un frein à disque, déjà, vous savez. Et voilà. Genre, il est rouge, mais je vous en dirai pas plus. Mais voilà. Vas-y, on se retrouve tout à l'heure. Yeah, bateau école. Je vais me faire renverser. Voilà, donc là on a sorti la crise dynamo, enfin là on est chez moi, du coup faites pas le défaut par terre parce que dans la chambre il y a des travaux, parce qu'il y a des gros problèmes, mais bon ça c'est pas le thème de la vidéo. Du coup je vais mettre ça sur le FAT, donc je l'ai déjà mis sur le dub. Désolé, hop, mais du coup là je vais mettre les Magura, donc là c'est la MT5 pour le coup, donc 4 pistons, donc voilà. Ouais, bah, du coup c'est la boîte, hop, du coup je vais mettre les 4 pistons. Parce que ouais, pour l'instant j'ai ça, j'ai du viseré de jante là. Ah là les gars, c'est pas pro, j'essaie d'importer mes premières vidéos déjà de cette vidéo. Ah, ça a commencé à faire la iPhone MSI, vas-y, casse-couille. Parce que en mode, j'ai fait une vidéo dans le bois de Vincennes avec le FAT, mais genre, elle veut pas s'importer, ça me casse les couilles. Surtout qu'en plus, le site qui me faisait mes montages vidéo, j'avais plus le droit d'être dessus, ça m'a cassé les couilles. Enfin bref, on se revient du coup à notre FAT. Du coup là je vais un peu le pimper, genre je vais enlever des pièces et tout ça comme vous le savez. Et genre bah, du coup il n'y aura pas genre cette partie là, du coup désolé. Mais bon, enfin moi je reprends parce que tout à l'heure aussi ça a coupé parce que j'avais plus d'espace sur mon iPhone. C'est la galère, genre je crois que j'ai commencé à 20h et là il est 22h41 et genre je reprends la vidéo. Enfin bref, moi on n'est pas couché de toute façon. Il y a du sérieux travail qui nous attend. Du coup, là j'ai mes Magura MT5 que je vous ai montré tout à l'heure. Ça que je vais mettre sur le FAT, j'adore. J'ai ma clé dynamo du coup pour tout resserrer et genre je m'en sers de cliquer pour desserrer, ça sert. Hein. J'ai ma truc pour démonter la roue arrière et la roue avant. Enfin ça la rallonge c'est quand il y a les pecs, mais bon du coup là je suis con, je l'ai mis alors j'en ai pas besoin. Parce qu'il n'y a pas de pecs encore. Et le plus important, le cruciforme pour enlever les putains de catadiodes que j'ai pas besoin. Et du coup voilà. Donc du coup, bah ça va se présenter comme ça. Hein. Je vais vous faire quelques petits plans sur le FAT. On va incliner ma selle parce que j'avoue là elle est droite comme une planche. Si je veux faire des tricks, peut-être que je la fais plonger un peu. Donc voilà. Et en attendant les pneus rouges et tout ça, bah pour l'instant il va rester à peu près comme ça. Et en attendant ma paye surtout. Dès que j'ai ma paye, ah là les gars vous êtes pas prêts. Je vais changer, je pense, je sais même plus si je l'ai dit déjà, je crois que j'ai déjà dit. Bah déjà, il y a les pneus, genre, les pegs, les pédales, enfin, je crois que je l'ai déjà dit en plus. Ça, je vais pas me répéter. Il faut changer surtout les poignées, enfin, en fait, il y a beaucoup de choses quand même à changer d'origine, parce que c'est pas ouf. Bon, après, c'est S-Bike.
Et voilà, en plus je suis obligé d'éteindre ma musique parce que sinon il y a les droits d'auteur. Et vu que c'est du Nino avec Niska, je peux pas. Les droits d'auteur, je vais être. Enfin, à chaque fois que je fais une vidéo YouTube, de toute façon, chaque fois que je mets une musique, ça marque droit d'auteur. Je dis ta race. Enfin bref. Bon, du coup, on se retrouve sur quelques points. Du coup, on se retrouve à enlever cette cut à diode. Alors, attendez. Je sais même pas pourquoi ils ont mis ça. I la vis. Alors, je sais pas comment ça s'enlève, le mec. Mais je pense que ça doit être facile. Non, ça se lève pas, ce genre. I. Oh, ouais, tant d'être ce truc. Je sais même pas comment ça tient. Oh. D'accord, oui, ça tourne, oui, ça tourne, oui, ça tourne. C'est des malades. Waouh, toi aussi, t'as vu? En fait, je sais pas si c'est le vélo là, enfin, la cata de la dégâts ou c'est moi. Alors, en fait, j'ai pas de truc pour tenir mon comment dirais-je. Mon téléphone, c'est à dire je suis obligé de le tenir. I. Voilà. I. Oh, faut galère le truc. Bon, ça donne ça. Bon, après ils sont neufs, hein. J'avoue, s'il y en a qui en ont besoin, je vous le passe, hein. Parce que là, j'avoue, je sais pas à quoi ça sert, mais bon. On va enlever l'arrière maintenant. Ah oui, j'ai la Posca aussi parce que j'ai pas pu tout à l'heure le dire. J'ai la Posca pour faire les. Je sais pas ce que là. Pour faire les tire-coups. Voilà. Faites pas gaffe au bordel, au sol, parce qu'on est en train de faire la. Là, comment on appelle ça? On est en train de faire le parquet, comme vous pouvez voir. Donc, nouveau parquet dans ma chambre. Pour quelque chose. Donc, enfin, pour une. Oh, pour une fuite d'eau, donc c'est pour ça. En faites pas gaffe. Dans quelques jours, ma chambre sera propre et tout. Donc là, je vais avec la PS3 et tout. Et genre, c'est un peu. Mais elle arrête de faire foutre vu que je vais devoir l'enlever. Du coup, j'ai enlevé l'autre cathodiode. Je vais pas vous le filmer, vous savez, voilà. C'est déjà une galère à le faire. Donc, du coup, après, j'ai incliné ma selle, mais on se reprend après, je pense. Et je vais démonter les freins. À toute. On voit les amis. Subagura. Je vous ai pas filmé parce que les poignées, c'est vraiment de la. Voilà. Du caca. Genre, vraiment, regardez carrément. Alors, si je fais ça. Sensationnel, vous voyez, c'est oh, tant d'accent carrément. J'ai même pas réussi à mettre ce côté là. Enfin, bref, ça je m'en fous. Je vais changer très vite. Et du coup, je crois que je vais laisser le disque parce qu'en vrai, voilà, il dérange pas. Donc, peut-être que je vais l'enlever. Genre, je sais pas. De toute façon, il y a les pneus rouges qui arrivent, donc je verrai bien. Là, on est sous MT5. Bon, il faut que je le mette. Là, il manque après les pecs, mais les pecs, je sais pas ce que je vais mettre encore. Soit des UK grips, soit je sais pas quoi. Les pédales, bah si quelqu'un les veut, je les vends. Les freins, je les vends pas parce que j'en ai besoin. Enfin voilà quoi. Après, il n'y a rien d'autre. Enfin, les poignées, si vous les voulez, je vous les passe, mais je les donne carrément. Je les vends même pas, je les donne si quelqu'un veut. Ils sont neufs, mais j'aime pas. Donc après, voilà. Hein. Franchement, on est pas mal. Là, je pense que j'ai commencé à faire les Vetayerco. De là. J'ai commencé à faire Vetayerco. Et je pense que les liserais de jante, genre je les ferai plus tard parce que là, j'avoue, si je finis une jante mais que je sais pas l'arrière hein, ou je sais pas l'avant, ça va être bizarre. Ça va faire trop bizarre, donc voilà. Donc en vrai, je vais arrêter la vidéo ici. De toute façon, vous savez très bien quand ça va finir, ça sera écrit Vetayerco. Donc voilà.